GG, mais non, 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 tais-toi, tais-toi, tais-toi. Dis pas GG, dis pas GG, dis pas GG, ta gueule. Meurs, il enchante. Il enchante. Die. Ce que je peux faire, par contre, c'est ça. Et puis allez. Street Fight, c'est ça? Oh, bah, écoute, meurs, hein, qu'est-ce que je te dis, idiot. Et bienvenue tout le monde, c'est Eki, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le Fantabo World. On va faire quelques jeux tranquillou, donc je sais pas trop combien de temps va durer la vidéo, je pense qu'elle sera assez longue, que vous ayez assez de contenu. Au passage, j'essaie de chercher la vie bonus. Même si je pense qu'on a pas trop mal de vie. Alors vu que c'est la première vidéo, bon je compte pas celle du tuto pour monter sur la tête de Bob, je compte pas ça comme une vidéo de gameplay sur le Fantabo World. Vu que c'est la première vidéo que je fais, je vais juste expliquer le petit système de vie. Donc vous avez 4 matchs de 4 niveaux. Donc le niveau 1, il permet d'avoir 5 vies par jour. Après niveau 2, vous avez donc 10 vies par jour en parlant aux 2 mages. Le niveau 3, encore 5 vies. Et le mage infinite. Pardon, le mage infinite, je sais pas. Je n'ai aucune idée. Je sais pas si c'est vie infinie. Ou si c'est encore 5. Attendez. Où est-il? Donc vidéo un peu détente, hein, évidemment. Donc lui c'est 6500 gemmes. Lui tu pourrais m'acheter lui direct. Ah mais non, on est obligé d'acheter ceux avant. Et oui. Et lui alors il fait quoi? Infinité de vie. Ok. Ok, très bien. Donc on sera à 14000 gemmes, mais on achètera ce monsieur. Hein. Là je vais m'acheter le match de level 2 parce que vous voyez que j'ai déjà 6200 gemmes. 6200 gemmes. Honnêtement, je trouve que leur système de vie, il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques, mais je pense que ça va, c'est assez tranquille d'obtenir des vies, surtout que, ben, par exemple, moi je joue beaucoup en dé à coudre. Bon, là, je galère à trouver le match de level 2, ça va me saouler. Et qui tourne en rond pendant 3 quarts d'heure. Donc je disais, comme je suis fort en dé à coudre, en général, en 2 parties, j'ai de quoi rembourser 5 vies. Donc c'est plutôt cool. Alors, match de level 2, ok. Et du coup, plus de vies. Non, oui. Ouais, bon, ça va s'actualiser, vous inquiétez pas. Ça prend juste un peu de temps. Alors, je vais parler d'un truc, le shop, vite fait. Les gens, sachez déjà qu'il faut absolument que à la fin du mois, donc vous rachetez ça parce que sinon vous aurez plus la quête d'avoir 150 gemmes par jour. Et cette quête de 150 gemmes par jour, mine de rien, elle vous aide pas mal. Parce que vous pouvez acheter 5 vies ou alors économiser vos gemmes. Donc faites très attention à ça, parce que là on va bientôt le perdre je pense. Et après, vous voyez que après il y a le VIP plus et le légendaire. Moi je vous conseille vraiment de ne pas acheter le VIP. Pas acheter le VIP parce que au final, ce que vous avez en plus avec le VIP c'est juste qu'il dure un an. Et vous avez je crois 5 contacts en plus dans la liste d'amis. Et c'est tout. Après bon choix de team, mais voilà, c'est un peu méga nul en fait. Donc honnêtement, moi je vous dis, achetez plutôt celui-là où vous aurez 2 quêtes par jour et beaucoup plus de membres dans une partie, 30 contacts et voilà, c'est plus cool. Et surtout voilà pour les 2 quêtes parce que vous aurez donc du coup 300 gemmes par jour. Tandis que celui-là, vous aurez, en fait c'est comme le mini VIP, sauf qu'il dure un an. Donc voilà, après bien sûr, il y aura le légendaire, mais honnêtement, moi je dis n'achetez pas le VIP bleu parce que je trouve que c'est juste une petite arnaque, voilà. Voilà, voilà, où est Frigiel. Après, sur le serveur, il y a beaucoup, on voit beaucoup d'youtubeurs. Croyez-moi, vous y restez une journée, vous allez en voir. Moi, j'ai croisé Banano, Fuse Jumper, As de Pique. Et j'ai même eu la chance de voir Fanta et Bob. Et je crois qu'ils faisaient leurs vidéos, mais je les ai pas vus en game. Je les ai vus au lobby du Dé à Coudre et du Bropocalypse. Voilà. Donc, ça, c'est cool, franchement. Si vous passez une après-midi sur le serveur, je pense que minimum vous verrez au moins une star YouTube, c'est comme ça que s'appelle le grade, sur le serveur. Et c'est vraiment cool de voir qu'il y a plein de youtubeurs qui viennent. Hop. Ce qu'on va faire en début, je pense qu'on va faire un petit UHC fun. Bien sûr, après on fera du dé à coudre. J'aimerais bien que mon truc se réactualise. Je pense que dès que je vais rentrer dans une partie, ça va changer. UHC fun, je crois, il est à côté du gros pot. Ouais. Web. Donc UHC Fun et le Dakout sont mes deux jeux préférés. Honnêtement, après les autres, bon, ils sont bien aussi, mais bon. Voilà, c'est vraiment ces deux-là que j'aime bien.
Après, j'ai toujours aimé lui acheter. Ok, ça sert à utiliser. Je suis à 2700 gemmes. Donc, de quoi acheter une ligne IP, c'est bon. Et 10 vies. 10 vies, 10 vies. Du coup, je suis à 10 vies par jour. Ok, c'est bon, ça rejoint. Je pense que là, ça devrait être bon. Encore 3 joueurs. 3 joueurs, plus qu'un. Plus qu'un, ouais. Et voilà. Qui team? Alors, les mecs qui viennent en solo pour faire des teams. Sérieusement. J'appelle ça d'anti-jeu. Bon, on va pas rager. De toute façon, je suis pas le plus fort en UHC. Clairement pas. Y a quoi ici? Y a quoi ici? Au moins personne lui a répondu, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je trouve que la communauté n'empêche sur Minecraft. Alors je parle pas des commentaires YouTube parce que les commentaires YouTube c'est l'apocalypse. Mais la communauté sur Minecraft en jeu est beaucoup mieux que par exemple sur League of Legends ou Counter-Strike. Et c'est quelque chose qui est assez bizarre. Bon après, si vous insultez en serveur. Vous faites ban, je pense, dans les jours qui suivent, parce qu'il suffit juste de screenshot et d'envoyer sur le forum et vous êtes ban. Donc je pense, je sais pas si tout le monde sait ça, mais en tout cas, je pense que ça améliore un peu le caractère des gens. C'est quoi cette structure? Oh mon dieu, un glitch! Oh nice! Je me suis fait avoir. La partie n'a pas encore commencé. Ouais. Elle commence dans 40 secondes. Donc voilà, je trouve, c'est quelque chose que je trouve qui est assez bien comparé voilà, aux autres jeux. Parce que sur Counter-Strike, je parle de ça parce que tout à l'heure j'ai fait deux games de Counter-Strike. Et les gens, mais les gens sont horribles. Les gens t'insultent à chaque manche alors que c'est ton équipe. Et t'auras beau être le meilleur de la partie, tu te feras insulter aussi. Et même sur League of Legends, League of Legends, c'est. D'ailleurs, ils veulent mettre un chat vocal sur League of Legends. Moi perso, j'ai hâte. Ça va être assez drôle. Ça va être assez drôle de voir un truc pareil. Et puis voilà. Déjà, quand on voit le chat vocal sur les jeux de Steam, c'est déjà un gros bordel. Donc League of Legends, le fameux MOBA, un beau chat vocal, ça risque d'être bien drôle. Ok. Good luck. Oh là, on a quoi comme map là? On se calmer. Ils sont fous. On peut descendre? Ok. Je crois que j'ai dû faire 3-4 parties en UHC. Mais ils sont en train de vraiment tout changer à chaque fois. Genre avant, on était bloqué sur la plateforme. Il y avait un compte à rebours. Tandis que là, on descend direct. Il y a des petits trucs comme ça qui changent. D'ailleurs, on est à coudre. J'aurais quelques conseils à vous donner, je pense. Et il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées, qui étaient au début. Mais c'est pas dépendant, parce que les trucs qui étaient en fait, c'était un peu chiant. Mais bon, on en parlera après quand on sera en dé à coudre. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Parce que j'ai 10 vies, mais je pense pas qu'on va toutes les utiliser. Je pense qu'on va utiliser dans les 5. Après, ça dépend le temps de la vidéo. Donc cette vidéo qui évidemment pourra excuser des lives que je peux plus trop faire parce que j'ai un problème de décalage au niveau du son, du jeu, de ma voix, enfin voilà, apparemment c'est Minecraft qui fait ça, j'en sais rien, je sais pas trop comment ça marche, j'ai rien trouvé sur internet, ça me fait un peu chier, mais du coup voilà, au moins je fais une vidéo tranquille. Oh, il y a une structure là-bas, il y a même deux structures et un atelier, chat. Mais je suis bien dans la merde. Évidemment. Oh la masse de sticks que j'ai fait. Où est-ce qu'ils sont? C'est bien de trouver des animaux hein, un jour. Alors si je trouve pas d'animaux, ben en fait on a un peu perdu. Alors il y a des trucs ici. Est-ce qu'il y a une entrée à ce machin? Bonjour! Tu te fight, c'est ça? Oh bah écoute, écoute, meurs hein, qu'est-ce que je te dis, idiot. Ah là là, les gens qui se fight au début. Mais bon, au moins on a eu 15 gemmes. Après, ce que je pourrais faire dans la vidéo, c'est faire une sorte de condensé, genre prendre que les meilleurs moments où genre je fais des actions de génie et tout. Et ça pourrait être sympa. Comme ça, je vous fais bien découvrir un peu le serveur, ceux qui me l'avaient demandé. Il n'y a aucune structure qui sont ouvertes, hein. Des portes, ils connaissent pas, hein, trop dur. Et mort en ligne. Alors ça, par contre, ça m'éclate.
est mort hors ligne. Attention. Est-ce qu'on trouve l'entrée de ce machin? Ok, pas du tout. Qui meurt de faim? Tout le monde! Tout le monde meurt de faim! Il n'y a pas d'arbre à pommes, il n'y a pas d'animaux, c'est quoi ce viol? On est tous dans la merde. J'ai une pomme. Mais genre vraiment. Parce que ça, on est d'accord, ces arbres-là ne donnent pas de pommes. Ou alors ils ont changé les règles aussi. Il y a de la canne à sucre là-bas, je pourrais la prendre. Ah si! Ah si, donne des pommes! Ok, ils ont changé cette règle sur Fantabo World. Ok, très bien. Donc tous les arbres donnent des pommes sur le serveur Fantabo World. Voilà. Info très utile, mesdames et messieurs. J'espère que beaucoup de monde la retiendra. Qui cheat? Mais abruti, mais qui cheat? Mais t'es sérieux avec ce que j'aime bien faire dans les EHC, c'est vraiment rush la nourriture. Et après m'enterrer et miner comme un porc. Sauf que là, rush la nourriture, c'est très mal passé. Parce qu'il y a zéro mob. Alors peut-être dans ce biome-là. Si je me dépêche assez vite. Si je me dépêche assez vite, peut-être qu'on va trouver des animaux. Bon, je vais prendre tous les arbres déjà. Essayer de trouver des pommes, évidemment. Vite. Ok, j'ai 0 pommes maintenant. Ce qu'on peut faire, c'est en récupérer genre 2-3 encore. Et s'enterrer. Parce que là, il reste 12 minutes. C'est d'avoir un stuff correct. Et puis tant pis. Là, tout le monde est encore en surface. On voit qu'il y a beaucoup de kills. Alors, ça se trouve en grotte, mais bon. Ça sert à rien de se trouver en grotte, je pense. Oui, une pomme ici. Ok, j'ai 2 pommes. Est-ce qu'on s'enterre? Répondez dans les commentaires, lui. Faut vraiment que j'essaie de trouver une solution au problème pour pouvoir relive. Que j'aime quand même beaucoup les lives. Et je trouve que c'est assez dommage. Bon, ok, on va s'enterrer ici. J'aurais peut-être dû faire une pelle dans ce moment. Sinon, ça va être cool. Donc, ce qui serait bien, c'est évidemment le full stuff fer en premier. Peut-être une épée en diams, on va voir. J'ai de quoi faire la table d'enchant, mais 11 minutes, je pense que ça va être infaisable. J'aimerais trouver des torches aussi pour vous éclairer, parce que YouTube est très nul en ça. Ou alors, je vous mets la vision nocturne, je pense que je vais vous mettre... Ah ouais, le gravier donne des flèches. Mon dieu. Je pense que je vais vous mettre la vision nocturne pour les passages comme ça, c'est plutôt cool. Et je vais essayer de pas avoir des dégâts de chute, attention. Et puis voilà. Alors, je suis un condensé, mais je sais pas, en fait. Parce que... Ouais, honnêtement, je sais pas. Au pire, vous verrez bien sur le montage. Parce qu'après les UHC c'est quand même cool à regarder. Je sais pas. C'est vous qui voyez. Nice ou pas nice, j'en sais rien. Comment on procède? Où sont les mobs? Je vais virer ça. Je vais virer ça, je vais virer ça. J'aimerais bien trouver du fer vite. Du fer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aimerais du fer, s'il vous plaît. Bon, venez. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, on vient. Moi, je suis à la limite de la mort ici. Mais ouais, je vais venir. C'est un zombie. Bon, bah écoutez, on va descendre. Il y a de l'or là-bas, ouais. Okay. Hop. Exploration de la faille, let's go. Let's go, let's go, il y a du fer ici, il y a un zombie aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir en premier? Ça va être le zombie, non c'est bon, on a le fer. Et il y a de l'or là-bas qu'on va aller prendre direct. Juste, je vais me faire une table de craft. Oh, j'ai tellement de trucs inutiles dans mon inventaire, c'est fantastique. Oh, je drop ça après. Alors, une pioche, comment on fait une pioche? Je crois que c'est comme ça, hein. Il me semble bien. Hop. Et là, ça va être le moment très intéressant de la vidéo. Hop. Alors, tac, 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 tac. Fantastique.
Fantastique, fantastique. Et voilà. On le refera bien sûr avant le deathmatch parce que c'est très important de récupérer les items des autres. Et vraiment GG en tout cas ce petit dégât de chute. C'était voulu évidemment. C'est pour se mettre un peu de challenge. C'est pas assez dur ce jeu. C'est vrai que Minecraft Ultra Hardcore, bah, c'est trop facile. Hein. En plus il y a des gens, donc voilà, faut se mettre un peu de défi, écoutez. Alors, tac, on va se faire une pioche en or, évidemment. Et je vais peut-être pas la manger tout de suite. Je sais pas s'il y a des gens autour de moi. Oh, il y a du diamant là-bas! Ok, diamant. Il y en a deux. Il y en a trois. Donc ça fait 6, c'est ça? Ouais. Parce que 3 diamants égale 6 diamants. Vu que UHC Fun, je l'ai pas pressé, mais c'est un UHC Run, je pense que vous aurez compris. Et que beaucoup de gens le savent déjà. Là, il y a du fer. Faut vraiment qu'on ait le full de fer. Minimum. Après, ce qu'on pourrait se faire, c'est peut-être du stuff en diamant, des bottes, je pense. Ouais, écoute, on va se faire des bottes en diamant. Ou alors, je fais la pioche. Pour faire un bouquin, il faut un cuir. Il faut un cuir. Et je n'ai pas ce fameux cuir. Donc, tant pis. C'est un peu dommage, parce que là, j'aurais pu. Je pense que j'avais le temps, en plus. J'avais largement le temps. Alors, de l'or. Oh, c'est tellement bien. Par contre, la lave, oh, c'est bon, elle est en chute à côté. On va remettre l'atelier. On va voir ce qu'on peut se faire. Donc, déjà, je vais me faire une épée en diams. Direct. Ça, c'est dit, je vais me faire des bottes en diams. Direct. Je vais faire deux pommes en or. Direct. Voilà, ça, c'est dit. Un plastron, évidemment. Et un pantalon. Et voilà. Peut-être manger une pomme en or maintenant. Tac. On va récupérer encore le fer qu'il y a ici. Bon, au final, cette faille, ça va. Il n'y a pas trop de squelettes. C'est assez cool. Squelettes qui sont évidemment mes pires ennemis en UHC. Et les pires ennemis de beaucoup de monde, je pense. Ce qui serait bien, c'est de faire un arc. Ou de tuer un mec avec un arc. Enfin, tuer un mec qui a un arc. Et de lui voler, bien sûr. Il manque combien? Oh, mais c'est bon, je peux me le faire. Je peux me le faire. Un magnifique casque. Plus qu'à trouver des araignées. Et écoutez, on sera parfait. Hein. On sera parfait, on sera parfait. Niveau bouffe, ben, je pense que ça va se finir avec les pommes en or. Hein. Tu es où, Tarzan? C'est en alliance ou quoi? Moi, je faisais ça avec un ami avant, mais je trouve que c'est pas très respectueux d'aller en UHC solo avec des potes à vous et de faire une alliance alors que c'est du solo, quoi. Donc, c'est un peu nul. C'est un peu nul, voilà. Donc, du coup, j'ai un peu arrêté. Vraiment, si vous jouez avec des amis, allez en team, en UHC team, et niquez pas la game des autres qui vont solo. Les autres qui ont pas d'amis, hein, attention. Comme moi. le mec il se cache tout seul. Bon, je récupère du fer, je sais pas trop pourquoi. De toute façon, là j'ai un autre à faire pendant 5 minutes. À part essayer de trouver du diams. Peut-être récupérer de l'or comme ça. On va se faire la masse de pommes en or. Parce que le deathmatch, si on trouve pas tout de suite contre du monde, j'ai une hache. J'ai une hache en pierre, donc peut-être essayer de récupérer des pommes au début. Et se faire un peu plus de pommes. Hop. Tac. On va se garder un stack. C'est bien. Un petit stack. Alors, est-ce qu'il y a du diamant aux alentours? En UHC Fun, il me semble. Autre conseil aussi. Le diamant peut être à n'importe quelle couche, il me semble. Alors, je dis peut-être des conneries. Mais vous voyez que tout à l'heure, on l'a trouvé assez haut. Et il me semble qu'une fois, j'avais vu du diamant carrément presque à la surface. Donc voilà. Petite information gratuite. De toute façon, je vais donner beaucoup d'informations, je pense, dans cette vidéo de Fantabobo World. Est-ce que j'ai récupéré des torches? Pas du tout. Je sais pas, il y a du charbon. Donc, vision nocturne, les gens, pour les 3 dernières minutes. De toute façon, je pense que vu le condensé, ça va vite se dérouler. De l'or! Il se passe quelque chose dans le ménage optique, c'est fantastique.
J'ai combien d'or? 10 d'or, ok. Donc là, 12. Diamant, s'il vous plaît. Oh, ouais! Il y en a combien? Oh, bonjour le gravier. Bonjour le gravier! Sérieux? Oh, j'ai fait. Oh oui! Qu'est-ce qui se passe, mon dieu? J'en ai 8, j'en ai 8, j'en ai 8. On peut se faire un truc. On peut se faire un truc. Tac. Ok. Je pense qu'il y a moyen qu'on soit super bon. J'ai l'impression que la barre de faim se consomme pas quand on sprint pas. Oh ouais! Oh ouais! Oh, il y a masse en plus! Ah, est-ce que j'ai bien fait de pas me faire une pelle en diams? Oh mon dieu. Oh mon dieu. La chance nous sourit, j'ai deux pommes en or. Là, ce qui pourrait être le mieux, c'est de s'enchanter, mais j'ai pas de cuir. C'est tellement dommage, j'aurais pu tellement en plus. Si j'avais trouvé une vache. Maudit soit les mobs, j'en ai vu zéro. De toute la partie, c'est un peu dommage. Ah, ce que j'aurais pu faire, c'est un saut de lave. Ouais. J'ai pas de silex non plus. Bon, écoutez, 30 secondes, on peut essayer de rush comme un porc, mais ça m'étonnerait qu'on y arrive. Je vais récupérer ce stuff de merde. Plus tout ça, génial. J'entends de la lave aux alentours, donc c'est un peu chiant. Alors, vite! Hop, hop. Exactement 10 secondes pour récupérer de la lave, c'est fantastique. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Son père! C'est bon. Bonjour. On pourrait rester ici? Moi ça m'arrange. Oups, on peut pas. Alors, comment je procède? Bien, on va faire ça. Et donc, on va essayer de se faire une pomme en or. Ok. Là, je pense que je ferai plus d'ellipse. Bon, je récupère une pomme déjà. Récupère putain pomme ou alors je rush pour les gemmes parce que ouais on va rush. Oh, y a une pomme. Oh, tant pis. Au pire on se la fera si j'arrive à faire un kit. De toute façon j'ai une pomme dans la main là. Je pense pas que manger. Ok, je regardais si j'avais des os parce qu'il y a un chien, mais j'en ai pas. J'en ai pas, j'en ai pas. Il y a même deux chiens. Alors beaucoup de hauteur. On est combien? On est 5. J'espère qu'il n'y a pas trop d'alliance. On passe par ici. On cherche des gens. Moi je suis pas du tout en sneak en plus. Attaquez-moi, je suis full stadium logiquement. J'ai encore ma pomme en or pendant une minute. Je pense que ça devrait passer. Tarsen est en vie. C'est lui qui est en alliance. Oh sérieux, des mobs. Une fois que j'en vois quoi. Après vu que c'est le deathmatch, c'est pas le même deck. Salut! On va le buter, 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 on va le buter. Non, tu meurs, tu t'échappes pas, tu t'échappes pas, tu t'échappes pas. Bonjour. Oh, il m'a fait mal, il m'a fait mal, il m'a fait mal, il m'a fait mal. Il lag, il lag, il lag. Je crois que c'est moi qui lag. Non, c'est lui, c'est lui. Meurs, il enchante. Il enchante. Die. Oh putain! Son père! Les pommes en or! Non! Ah non! Ils sont combien? Ils sont combien sur moi? Je crie à la triche, je crie à la triche, je crie à la triche. Oh son père! Je fais comment moi? Faudrait que j'essaie de manger une pomme? Bon, on a fait vachement kill, j'ai gagné 20 gemmes à la fin, j'en ai gagné 15, 15, 20. Il n'y a pas le total. Oh là là, quelle partie les amis. Bon, honnêtement, je pense que je pouvais le tuer si j'avais eu un peu de temps, mais ils se sont mis à 3v1. Alors, je sais pas s'ils étaient en team ou quoi. Je pense pas. En tout cas, ils m'ont pas sauté à 3 en même temps, donc je pense pas qu'ils étaient en team. S'ils étaient en team, ils m'auraient sauté à 3 en même temps. Et là, ils m'ont sauté un peu un par un. Non, c'était un peu important, putain, je me rends compte de ce que je dis, j'ai vraiment de la merde. Ce qu'on va faire les gens maintenant, c'est qu'on va faire un petit déacou, parce que j'ai envie.
Et puis après, je sais pas, on verra. Un petit à coup, j'aimerais bien trouver une petite map. Une petite map toute mignonne. Ou alors, on fait peut-être un survival game. Survival game, c'est où? Je crois que c'est vers l'orange. Orange! Ici. Ici, je sais pas encore pas appris tout par cœur. Bon, Apocalypse, je suis pas trop fan. Enfin, c'est un mode qui est assez bien. Hein. Je critique pas ce mode, mais voilà. Moi, je préfère clairement les autres. Alors, cherchons le Survival Games. Le petit Survival Games. Après, bon, je pense que beaucoup ont envie que je fasse du Building Games. Même si je suis pas trop fan non plus. Fatu, par contre, je déteste. Parce que, voilà. Je critique pas non plus, mais bon. Mon point de vue, voilà, j'aime pas trop ce jeu. Et c'est parti pour Survival Games, qui est un Hunger Games tout basique. Avec des magnifiques structures. Je sais pas quelle map on va avoir. J'aimerais bien ne pas avoir l'arène. Parce que j'ai tout le temps l'arène. Et l'arène, c'est la map que je déteste le plus, où j'ai jamais d'épée. Donc question de pas avoir l'arène. S'il vous plaît. Ah, ça c'est bien. Par contre, il n'y a personne dans la partie. Donc peut-être Ellipse. Le temps que ça rejoigne. Bon, au final, on est sur la map de l'arène. Qui est la map que j'ai tout le temps faite, que je déteste le plus. Parce que j'ai jamais trouvé d'épée en fait. Alors j'ai souvent été vachement maudit. Qui a l'escalade. Mais arrêtez, voyons. Partout où je vais, ça va faire des alliés à chaque fois au début. Lui répondez pas, évidemment. Personne ne lui répond, s'il vous plaît. Ça commence à combien de joueurs? On est à 10 sur 24. Encore Hunger Games. Je crois que c'est légal de faire des alliés. Après, par exemple, pour le UHC où il y a écrit solo, il y a bien écrit solo. Et ben, il n'y a pas le droit. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est inadmissible. Inadmissible. Moi, mais putain. Arrêtez-les! Ils ont pas encore enlevé les achèvements d'ici. Je suis un peu deg. Ils ont enlevé en déacoude, c'est nul. J'ai bien attendre d'être en finale en déacoudre et faire le petit achèvement de taking un touriste, c'est assez drôle. Tu 18 sur le 24. C'est tellement pas populaire. Il n'y a personne sur ce serveur en fait. Genre, t'attends 30 minutes pour qu'une partie démarre. Enfin voilà quoi. Tout le monde préfère le déacoudre quoi. Mon dieu. Du coup, ça commence quand? 22, 22, 23, 24, ok! C'est parti sur la map que la vitesse le plus, c'est parti! Let's go dans 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ah, son père, les Pandiams! Eh ben, j'ai une flèche! Casse-toi! Mais trop vénère! Bon. Ah, est-ce que je suis toujours maudit? Est-ce que je vais pas avoir d'épée? Là, faut rush. Oh, je sais pas où. What? Bon, vraiment super. En tout cas, vous voyez que j'adore le Survival Games. Hein, c'est vraiment un super jeu. On va aller faire un déacoupe tout de suite pour me calmer. Parce que sinon. Ah, ça allait bien. En plus, on est premier. Donc, on va essayer de viser le milieu en premier. Vu que je suis passé en premier. Vu que j'ai rejoint en premier. Voilà, première info. Deuxième info. C'est qu'au début, on a les achievements. C'était assez cool, c'était rigolo de les faire en finale par exemple. Moi je m'amusais beaucoup avec faire ça et puis les ont enlevés. Ils ont enlevé aussi le truc des drops des lits. Bon, par exemple, un mec qui sautait, vous pouvez lui drop un lit dans la main. Et il mourait. Il mourait, Lucas Mafia. Ah ben Lucas Mafia est un mec très fort. Donc voilà. C'est sûrement la dead. Donc c'était cool parce que vous droppez le lit et le lit vraiment sert à retourner au lobby. Il y en a qui se faisaient avoir, qui faisaient tout droit en mode saut et voilà. Ne me demandez pas comment ils étaient aussi stupides, mais ça arrivait. Du coup, ils ont corrigé ce bug, maintenant on peut plus dropper le lit. Et voilà. Alors, les conseils que je vais vous donner, déjà, si vous n'êtes pas sûr de réussir un coup, ne le faites pas. Oh, sérieux, j'ai raté le mieux. Ok, très mauvaise game, on va perdre. On va perdre. J'ai perdu. Donc visez pas les déacours parce que tout simplement vous pouvez gagner alors que les gens ont plusieurs déacours. Ça m'est arrivé de gagner contre des mecs qui ont eu genre 4 vies dans la partie.
Donc les Dakouts ne s'accumulent pas. Hein. Les 4 vies, genre par exemple, ils fail, ils récupèrent une vie, ils refont des Dakouts. Et jusqu'à arriver à 4. Et que moi, j'en ai eu 0 et j'ai quand même gagné. Donc vraiment, jouez le plus safe possible. Après, si vous êtes vraiment sûr de faire le Dakoud, vous pouvez. Vous pouvez évidemment. On va pas cracher sur une vie. Pas être fou, je sais pas si c'est des fois dans la partie. Donc déjà, il y a Lucas Mafia qui est assez fort. Aussi, repérer. Donc là, je parle à ceux qui aiment bien bouger quand ils sont en mode invisible. Repérer après qui vous êtes. Moi, je suis après Mikador, normalement. Mikakor. Donc c'est la dernière à sauter. C'est une fille ou un mec? Mika. Aucune idée. Aucune idée. Pourquoi je suis après Mikakor? J'espère qu'il va survivre un moment. Lubrifiant. C'est quoi ce pseudo? Lubrifiant God, ok. Non mais pas de soucis. Pourquoi je change de nom en fait? Je suis un monstre. Je sais pas si le chat, je sais pas ce qu'ils disent. Je sais pas ce qu'ils racontent. Des gens sont fous sur la carte. Des gens sont fous. C'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est une info importante. Après donc ce que je vous conseille c'est vraiment vous train en invisible pour vos prochains sauts. Repérer où vous sautez, repérer les trucs simples aussi parce que des fois il suffit juste de faire genre une petite combinaison, genre vous mettez au bord, vous vous lâchez et ça passe. Il y a des moves tout simples, par exemple là vous mettez en bord en sneak et vous vous lâchez. Est-ce que ça passe? Voilà, ça passe. Donc vraiment entraînez-vous quand vous êtes en invisible, repérez bien parce que là c'est bientôt à moi. Moi je suis après Mikakor je crois. Et si jamais vous vous en souvenez plus, vous pouvez regarder le chat. Regardez où vous êtes mort. Moi je suis mort ici. Et là vous voyez que juste avant c'était excellent Mikakor. Donc aidez-vous du chat pour si jamais au lieu d'attendre. Mais vraiment voilà, mourrez pas alors que vous êtes en mouvement et que vous êtes téléporté en haut parce que c'est vraiment le plus rageant. Le brillant God qui saute, attention, il est mort. Mon dieu. Alors c'est qui le monstre déjà? Moi c'est le fort qui m'intéresse. C'est Mikakor. Bon Lucas Mafia qui va sûrement gagner cette game. Parce que il est fort. Après je tourne depuis tout à l'heure, mais je prendrai vraiment les meilleurs moments. Alors là j'ai fait une game avec lui juste avant. Et je pense que je vais pas la mettre. Parce que c'était un peu nimp. C'est parti un peu en couille, donc voilà. Voilà. Bon, en tout cas, un petit Dakoud, ça fait plaisir. Vraiment le mode de jeu que je préfère. Rage Alex qui est en train de rager. Non, honnêtement, je trouve la communauté mieux sur Minecraft. Faut pas déconner. Après, ça dépend des gens, mais vous avez beaucoup plus de chances de trouver des mecs qui insultent sur League of Legends et Counter-Strike que sur Minecraft. C'est un truc qui est bizarre. Et Mikakor qui fait un Dakoud, génial. Au moins, ça me permet de ne pas retenir le prochain qui sera après moi. Ah, avant moi, plutôt. Lucas meurt! Alors, Lucas, s'il pouvait mourir maintenant, ça serait vraiment le truc trop bien. Ok, il a enfin un Dakoud. Super, en tout cas. Du coup, je pense qu'on montrera qu'une map. Je vais faire qu'une game Dakoud, vraiment, pour montrer le maximum de ce Fantabob World. Même si je sais qu'il y a beaucoup de vidéos, mais bon, on m'a demandé de vous faire découvrir ceux qui ne pouvaient pas. Surtout ceux qui ont des Minecraft crack, des Minecraft craqués, qui ne peuvent que se contenter des magnifiques vidéos qu'on a sur internet, faites par des gens exceptionnels, n'est-ce pas? Kinox, ces gens qui meurent, un frère, parce que son pseudo finissait par Kinox, Nox comme Equinox, un autre dé à coudre, super, j'ai un peu la voix enrouée, je m'en excuse, et j'ai soif, j'ai très soif. Donc je vais boire l'eau de ce dé à coudre entièrement. Je vais boire toute la piscine. Et puis voilà. Les mecs sont très chauds dans cette game. Donc je sais pas si je vais gagner. Pareil, ils vont remplir la piscine. Ça m'est arrivé 2 fois de remplir la piscine. Et ce qui se passe en fait, c'est que les gens sautent à la suite. Les gens sautent à la suite. Et c'est le dernier qui a mis le dernier bloc dans l'eau qui a gagné. Pas encore une piscine. Oh, les mecs sont forts. Les mecs enchaînent les piscines. Donc, ouais. Peut-être que comme ça, vous allez le voir. Au moins, vous allez voir ce qui se passe. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, j'ai réussi à gagner. On était en finale, on était 2. Et j'avais sauté, j'avais eu le dernier bloc. Je vous dis pas le stress d'ailleurs. Surtout que j'avais 0 dé à coudre.
J'avais pas de vie. J'ai sauté, j'ai eu le dernier bloc, j'ai gagné parce que le mec est mort. Lucas, meurs maintenant, s'il te plaît. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Ok, non mais. Les mecs sont forts. Et donc, la deuxième fois où on a rempli la piscine, par contre, là, je l'ai pas eu. Et c'est un mec qui a réussi à avoir le dernier bloc et on était trois. Et ce qui s'est passé, c'est avec l'autre, on a sauté, on est mort et le troisième a gagné. Celui qui avait mis le dernier bloc, tout simplement. Donc voilà. C'est quelque chose qui est assez nul. Faut qu'ils trouvent un moyen. Je pense qu'ils vont changer ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent sur le forum, notamment, qui veulent que ça change parce que c'est un peu nul, tout simplement, de choisir un vainqueur au hasard. Et voilà, c'est un peu nul. Après, je sais pas si on va la remplir là. On est 6. 6 à un tel niveau. Mais les gars, non. Moi, je veux pas. Ça sent le mort. Ouais, mourir quoi. Surtout que j'ai pas de vie, moi. J'ai pas de vie et je suis pas prêt d'en faire une. Tant qu'il y aura deux blocs à certains endroits, je peux survivre. Mais dès qu'il restera que des dés à coudre. Dès qu'il restera que des dés à coudre, les gens, mais je vais mourir. Je vais juste die. Just die. Les gens vont win. Parce que là, ça va, mais. Ou alors, faut que je m'entraîne. Faut que je me prenne un dé à coudre. Par exemple, celui là-bas. Et que j'essaye. Lucas meurt. Ouais, que là, j'ai réussi. Après, il y a le risque qu'on me le prenne. On va le retrain encore. Ah! Au moins que je suis dans le top 3, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, celui-là est facile. Est-ce que je le tente direct ou pas? Non, on va pas le tenter direct. Comme je vous ai dit, on prend les faciles d'abord pour enlever les faciles aux gens. Évidemment. Et après, je tenterai ce dé à coudre qui m'a l'air facilement faisable. Je suis toujours après Mika. Ouais, je suis toujours après Mika. Mika Core. Qui aura tenu tout le long. Donc, excellent Mika Core. Tu es bueno. Je pense qu'après on fera une dernière partie. Pas faire non plus. Bon, la vidéo, je pense qu'elle sera assez longue. Le mec a volé mon dé à coudre. Vraiment nice en tout cas. Du coup, je vais peut-être train celui à gauche. J'aimerais pas qu'il soit trop loin en fait. Je vais me choper les plus durs à la fin. Peut-être celui-là, mais il y a un vert foncé. Ok, il reste que des dés à coudre. Eh, t'es banni pour fly. Mon dieu. Les mecs qui fly en dé à coudre, ça devrait être trop drôle à voir. Bon, il serait ban direct, mais. Alors, eh ben écoutez, je pense que c'est fini. Ouais. Ouais. Son père! Ouais! Ouais! Désolé, je m'emballe un peu. Allez, mourez. Lucas, tu meurs. J'aimerais bien finir en top 3, sérieux. Les mecs sont des monstres. Oui. Oui. Top 4. Cosmos, tu meurs. Je m'emballe pas parce qu'il y a encore une vie. Ah, oui. Top 3. Yoroi, là, tu meurs. Tu meurs, tu meurs, tu meurs. J'aurais envie de vous montrer comment ça se passe quand la piscine se remplit. Cependant, je préfère gagner quand même. Je préfère gagner, donc ça sert à rien que les gens meurent. Non, honnêtement, je pense pas le faire deux fois d'affilée. Après, j'ai deux vies. Là, j'ai deux vies. J'ai une vie. Donc, il y a moyen. Oh là là là. Ok, faut que j'aille plus loin. Alléluia, alléluia. Il reste 5 blocs. Il reste 5 blocs. Il reste 5 blocs. Mesdames, messieurs, attention, c'est épique. Mika Core va sauter. Mika Core, il reste actuellement 4 blocs. 3 blocs maintenant. C'est à moi de sauter. Son père, son père, son père, la vanille. Ouhouhou. Plus que 2. Plus que 2, plus que 2, plus que 2. Ouais, mais non. Ah, attendez. Ah, mais non, je me fais niquer. Donc là, c'est Mika. Mika a gagné. Donc j'annonce tout de suite, Mika a gagné. Et Anxi et moi, on a perdu. Voilà. Oh! Oh, non. Par contre, Simmer, lui, c'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne, Simmer. Oui! Oui! J'ai gagné!
Enfin, j'ai gagné, c'est pas dit. GG, mais non, 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 tais-toi, tais-toi, tais-toi. Dis pas GG, dis pas GG, dis pas GG, ta gueule. Oui, GG. Et donc là, elle se suicide. Donc c'est un truc qui est assez dégueulasse. Oh, j'ai eu tellement chaud. J'ai eu tellement chaud. Oh là 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 là. Bon, je suis content, j'aurais réussi à remplir la piscine. Mais le mec aurait pas perdu, ça aurait été Mika qui avait gagné. Oh les gens, cette partie. Bon, j'espère qu'en tout cas qu'ils vont corriger ce bug parce que ça me fait chier pour Mika. Mika Core, qui était fort. Et j'ai super mal à la gorge, je vais me chercher un truc à boire, je reviens. Alors, il y a quand même Masmonde. Il y a quand même Masmonde. On va aller sur n'importe. C'est quelle map ça? Ok. Ok, j'aime bien la map des bouteilles. C'est assez stylé. Est-ce qu'il y a des gens connus? Première chose que je regarde à chaque fois. Hop. Alors. Le thème va être un champignon. Bon, déjà, on va changer le sol. Donc, pour changer le sol, vous prenez un bloc et il suffit de le remplacer tout simplement ici. Ah non, c'est pas pareil. Ok, c'est pas du tout pareil que les pixels, je dis de la merde. Un champignon, bah écoutez. écoutez, voilà. Bon, on aurait pu le faire en plus. Je pense pas que je vais gagner. Je suis pas très fort. Je suis quand même assez fort en structure, mais sous le time comme ça, avec du temps, donc 5 minutes, je pense pas que je suis le meilleur. Même pas du tout. Les champis, ça. Ah merde! Ok. Bon, on va le faire en laine, ça va être stylé. Enfin, ou pas, mais voilà, on va le faire en. On va essayer de faire un truc stylé. Alors, essayons de faire le champignon de Mario. Est-ce que je fais le vert ou le rouge? On va faire le rouge. Comment je vais faire ça? Un peu plus grand. Ouais, comme ça, écoutez. Écoutez, je suis pas le plus fort en structure, on va faire comme on peut. De toute façon, je pense pas que je vais gagner, surtout si c'est une team de 3 qui se mettent des légendaires, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont à peu près correctes et nulles sur ce serveur. Mais écoutez, en général, l'avis général, c'est qu'il est bien. Donc ça va. Alors, ça ressemble à quoi mon champignon ignoble? Ah ben, il est ignoble, hein. Comme son nom l'indique, il est ignoble. Alors, on va rajouter une couche ici pour que ce soit quand même un minimum symétrique. Hop, voilà, donc là c'est bien ignoble. On va rajouter, on va faire une sorte de pyramide en haut. Ah mon dieu. Si vous trouvez plus moche, GG. Hop, et on va rajouter un peu les trucs de Mario là. Parce qu'il me semble qu'il y a des Oh, je fais ça blancs. en damier. Je sais pas si je vais avoir le temps. Bon, on peut tenter en le faire en diamant. Un petit damier. Hop, hop. Sais pas si je vais avoir le temps. Voilà, là c'est correct. Il y a juste ici. On va mettre comme ça et comme ça. Oh les shit, c'est tellement moche. Essayons de rajouter des effets. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en effet? Changer le temps. Ouais, ça c'est nice de faire ça, je trouve. C'est quelque chose que j'apprécie, on va mettre de la glowstone. C'est quelque chose que j'apprécie comme sur IPC, c'est de mettre la nuit et de faire une sorte d'éclairage. Je préfère en tout cas, c'est plus stylé. Ah bah, un champignon, de toute façon là je vais perdre. Hein. C'est clair net qu'avec un truc comme ça, je ne peux que perdre. Voilà. Made in Equinox. Horreur parfaite. Mais on est pas là pour faire des trucs magnifiques et surtout on n'est pas là pour gagner. À part Andakou, je suis là pour gagner. Évidemment. Évidemment qu'Andakou, je suis là pour gagner. Non, Building Games. On va voir s'il y a des teams. S'il y a des teams Spotted. Parti. Alors, est-ce qu'ils l'ont enlevé? Non, non, on voit bien les votes des gens. Oh, ça va. Si les gens votent OK pour ça, j'ai peut-être mes chances. Par contre, ah ouais, il faut en fait qu'il y ait de l'ombre un peu. Enfin, qu'il y ait un bloc au-dessus pour qu'on puisse poser les champions. Je sais pas si ça aurait pu marcher. Moi, je vais mettre bof.
Le mec aurait pu faire l'effort de changer le sol, quoi. Bon, au début, c'était ma première idée, donc bon. Bon. Alors, pardon, là, par contre, j'ai pas condensé le truc quand même, qu'on voit les structures des gens qui sont sûrement plus belles que moi. Ah, lui, il a fait un peu comme moi. Donc, je vais voter OK. Ouais. Parce qu'il a le même goût que moi, il y a des chances qu'il me mette OK aussi. Comment il s'appelle? On va voir si j'ai raison. Rosinosaur PVP. Ok. C'est un parasol. Comment ça clash? Légendaire. Ah. Bonjour la team. Donc là on met naze. Rien à foutre, moi je mets naze. Ce sont les teams, voilà quoi. Vous savez ce que j'en pense, vous savez ce que j'ai dit au début. C'est ignoble. Ignoble. Lui ça va encore. Lui il a moyen qu'il gagne. Ouais. Lui il a moyen qu'il gagne. Je pense que c'est lui qui va gagner. Pourtant il a pas fait un truc super joli, mais bon. Vu les votes qu'il a, je pense qu'il a gagné. Donc écoutez, GG à toi, comment il s'appelle? Bulbozor. Bulbozor. Ah, il est choupi. On va voter OK. On va voir les votes que je vais avoir. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, vu les votes qu'ont eu les gens, j'ai peut-être mes chances. On va voir. Alors. Bof. Naze. Bof. Naze. Ouais, bah écoutez. Ben, voilà. Hein. Pourtant, je pense avoir fait mieux que certains. Et bon. C'est pas grave, de toute façon on est là pour déconner évidemment. Oh, ça pense, c'est vraiment bien fait. Ça pense, c'est bon, c'est pixel art et c'est au sol, mais c'est bien fait. Cas, il ressemble plus au champion de Mario que le mien. Le mien était vraiment ignoble, faut dire ce qui est, mais bon, je suis un peu dégoûté des votes qu'on m'a mis parce qu'il y a des gens qui ont fait vachement pire, donc voilà. Personne n'a pensé au champion de Mario, bah si. Par contre, personne n'a réussi à le faire sur tout ça. Sur tout ça. Targamer qui se prend en masse de naze. Le pauvre. Ouais, d'accord. c'est lui qui a dit si j'ai pas le temps de le finir. Mais mec, ça a rien à voir avec le champion de Mario. On est d'accord que ce truc n'a rien à voir avec le champignon de Mario. C'est le contraire du champignon de Mario. Alors. Ça va. Le mec qui a mis légendaire en mode trop chaud. Ah bah attendez, c'est pas la team. Je sais pas. Didi, Traçamol. Ah, je peux pas remonter assez haut. Dommage. Dommage, dommage. Alors, je suis 11e avec 64 points. Allez, salut, hein. Salut, on va retourner en Dakou, le mode que je préfère. Avec où je m'amuse le plus. Après, bon, on préfère notre mode aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a quoi déjà? J'ai oublié le jeu. Après, ils vont rajouter des jeux, ils ont dit. Il y a le capture le poulet qu'ils voulaient faire. Ça pourrait être assez drôle. Alors, un petit Skywars. Un petit Skywars pour changer un peu, pour montrer vraiment toute la variété du contenu que propose ce serveur. Là, c'est parfait. Alors. Alors. On a une bonne map. Please. Bouge. Voilà. On a une bonne map parce qu'il y a des maps en fait où vous n'avez même pas d'arbres et vous n'avez rien du tout. J'ai eu un arc, mais. Ok. Leaping, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, leaping? Qu'est-ce que leaping, les gens? Je n'ai aucune idée. Mince. Bon. Il n'y a personne qui me rush? Personne ne me rush. Personne ne rush pour le moment.
un petit Skywars tranquille en mode détente. Là je joue pas pour la victoire. Honnêtement moi en off, enfin en off, en hors vidéo quoi, sur serveur je suis vraiment que du déa cool. Je préfère ce jeu. Mais bon là pour la vidéo on va quand même. Ah, par contre là le mec. Je le frappe avec une popo trisomique! Je l'ai eu? Oui je l'ai eu. Régène. Il a une Underpearl, il a ça. Il avait quoi? Sharkness 1, ok. Oh j'ai tellement fait de la merde! Mais lui aussi! C'est quoi les ping? Jump boost! Jump boost! Ok. Il est là. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils me veulent là? Pourquoi ils se mettent tous sur moi là? Merde, j'avais des flèches. Je suis tellement en mode stress. Par contre, là, il n'y a pas beaucoup de monde. Tac, tac. Je vais essayer de me stuff. Putain, il est pas en or quoi. Putain. Ah, je suis en mode panique totale parce que sachez que en général je fais de la merde et je meurs assez vite. Et puis là, il y a moyen de gagner. Pour une fois, putain. Donc on va voir. Putain, j'ai tellement de bons trucs. Vas-y, prends tout. On va mettre les bots vite. On va essayer de shooter des gens à l'arc. Y a personne qui vient? Père, ok. Donc, va falloir que je me trompe au niveau des potions. Je prends les épées pour pas qu'ils les aient. Pantalon diam, super. Hop. Ah, la panique générale, quoi. Bon, au moins ça va, je suis content. Ça va vous faire un bon contenu de vidéo, je pense. J'espère que ça vous fait plaisir. J'aimerais bien que les gens viennent à moi et que j'aille pas les chercher. Potion of Swiftness, allez zou, hop, zou zou zou. Alors on a le poison là, oh là, j'ai ramassé mon. On est combien? On est 3. Y a personne qui vient au mid? Bon attendez, moi j'attends les gens au mid. Hein. Y a moyen de gagner, y a moyen de gagner, y a moyen de gagner. Il y a minerai de diamant. On est 2. Il est où? Doudou. Il a fait 3 kills. Donc trop vénère. Hop. Super, il est où? Il est où? Mais. Je suis sûr en plus, je vous voyais depuis tout à l'heure. C'est juste moi qui ne vois pas. Ah, il est là-bas. Envoyez mon skill infini à l'arc. Non mais viens, vas-y, pas chier. Lance une underpearl et puis écoutez, il y a des spectateurs, ouais, il y a deux spectateurs qui attendent comme deux mongols. Et là vous assistez à un combat de trisou un peu. Enfin un combat de peureux plutôt. Genre il a pas d'underpearl? Genre pas du tout. Parce qu'au pire, moi j'en ai une, mais bon voilà quoi. Moi je la joue pas. Hein. Ah il a plus de flèches. Trop débile. Ce que je peux faire par contre c'est ça. Et puis allez. Hein. Alors, bonjour, voilà, tac, tac, tac. Non, on me lance pas dans le vide. C'est quelque chose que je détesterais. Ok, il y a moyen de gagner, surtout que j'ai des potions de healing. Ok. Ouf 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 ouf. Ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Donc 100 gemmes. 150 même je crois. Ah non, 150 points, ok. Donc 100 gemmes et 150 points, donc plutôt cool. On va faire un petit slash HUB. Slash HUB. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire une dernière game. Bah, toi, moi, j'irai en dé à coudre. Je sais pas. Il y a quoi qu'on pourrait faire? Factube vraiment pas, Apocalypse, limite. Non, écoutez, je vais faire selon mes envies, je vais faire un petit dernier dé à coudre. Essayer de vous montrer peut-être une autre map.
Ok, c'est bon, on est full. On est full. Alors, déjà sur cette map, alors, elle est très belle. Hein. Je sais que vous pouvez aller jusqu'au ciel pour faire un méga entraînement de la mort. Si ça vous intéresse, bon, là, ça va être moi qui est le premier. Est-ce que j'ai reçu sur le milieu? J'en ai aucune idée d'où il est. C'est tellement dur à repérer. Est-ce que je l'ai eu? Ouais, je l'ai eu. Nice. Alors, cette map, il y a un petit secret. Enfin, un petit secret. Vite fait, hein. Donc là, vous avez une poule que vous pouvez évidemment balader où vous voulez. Et puis, on a une autre qui est... Alors, je sais pas s'ils l'ont laissé. Oh non. Non, ils l'ont pas enlevé quand même. Non. Non, ils ont pas fait ça. Donc déjà, vous pouvez pas sortir de la map par ici. Pour sortir de la map, je suis après qui? Allez, ça, je peux pas le savoir vu que j'étais con. Je suis soit après Carcou. Je suis après Arznel Alba. Voilà. Donc, saute. Je saute et je vais voir si la poule y est. Parce que normalement il y a une poule à l'extérieur, je sais pas si l'on l'a enlevée et qu'on peut pousser dans le vide pour le fun. Alors, est-ce qu'elle est normalement elle est ici? Elle n'y est pas. Et B, je suis bien deg. Honnêtement, je suis bien deg. Parce que ça me faisait toujours plaisir de pousser cette petite poule toute mignonne et de la martyriser. Donc je suis un peu deg. Tout qui est tombé dans le vide et tout. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais tant pis. Voilà, c'était un petit truc que je voulais vous montrer, mais ils l'ont enlevé. C'est bizarre parce que quand même, ils l'ont laissé un bon moment. Il y avait toujours deux poules. C'était très symbolique. Donc, une dans la map et une à l'extérieur que vous pouvez accéder par en haut. Parce qu'en haut, il n'y a pas de barrière invisible. Les barrières invisibles qui sont là pour éviter le cheat, évidemment. Mais encore sur cette map, je pense qu'il n'y aurait pas besoin de barres invisibles, ça ne sert pas trop grand chose. Puis voilà. Là j'ai fait une erreur parce que honnêtement dans ce genre de map, faut essayer vraiment d'aller là où il y a vraiment beaucoup d'espace pour faire chier les gens. Et que les gens meurent tout simplement. Tout simplement. C'est une technique fourbe. Mais voilà. Donc vraiment, c'est pour ça visez pas aider à cause, visez les endroits. Est-ce que c'est des endroits faciles à prendre? Et puis voilà. Après, de toute façon, il restera que les meilleurs à la fin, de toute façon. Seulement les meilleurs qui rempliront la piscine ou pas. Jamais rempli cette piscine. Elle est assez grande. En général, les gens meurent avant. Parce qu'il faut tenir, surtout qu'il y a la nuit qui arrive. Je pense qu'on va la voir la nuit bientôt. Donc c'est assez chiant. C'est un peu dommage la nuit. Parce que la nuit, c'est vachement plus dur. On y voit moins. Et puis voilà. Bien sûr, jouer avec Optifine, c'est limite nécessaire, j'ai envie de dire, pour ce mode. Les gens qui ne jouent pas avec Optifine, ils ont, je pense, un peu plus de mal. Après, bon, ils peuvent aussi gagner, mais je dis pas qu'ils peuvent pas gagner. Mais c'est toujours plus facile de jouer avec Optifine pour bien repérer. Bon, là, ça va encore, mais pour repérer les petits trous à bien viser, attention. Et surtout que le vert foncé, des fois, se voit pas trop. À part cette map, ça va sur cette map. Et quand il est associé par exemple à une autre laine à côté, qu'est-ce que tu fais Jésus? Faut sauter hein. Oui Jésus, faut sauter. Ah il attend la propulsion. Attention. Est-ce qu'il la gère? Ouais, tranquille. Tranquille, tranquille. Cette propulsion qui sert évidemment pour d'un anti-AFK. On est déjà 6. Ouh, ça va vite. Ça va assez vite. Ouais, j'ai enlevé la musique. Les gens meurent très vite dans ce jeu, je trouve. Bon, je pense que c'est la dernière partie qu'on va faire parce que vraiment, au niveau de ma voix, je suis KO. J'ai trop parlé. J'ai jamais fait de vidéo comme ça où je fais un condensé parce que là, ça fait exactement 1h34 que je tourne. 1h34 que je parle en boucle. Donc écoutez. Un moment, va falloir s'arrêter. Bon, je vais pas prendre tous les moments. Je prendrai vraiment que les meilleurs. Donc, je pense que ça ira dans les 40 minutes, 50 peut-être. Puis voilà, je suis assez content en tout cas de cette soirée. Enfin, de cette vidéo plutôt. Où au final, j'aurais gagné un dé à coudre en piscine complète. Un Skywars. Un Survival Games totalement épique. Qui était super bueno. UHC, je m'en suis pas mal sorti, je sais plus si j'ai gagné. J'ai gagné en UHC ou pas? Non, ben non, ben non, ils 3 contre moi, j'ai rien pu faire. Mais je sais pas si en UHC ils étaient en team ou pas. Ça, j'en ai aucune idée.
Mais bon, je pense que j'ai eu pas mal de gemmes, donc on va pas se plaindre. J'ai dû en avoir dans les 60, donc c'est plutôt cool. Étant de le Deacour, il réussit, GG à lui. Est-ce qu'il y en a eu? Je crois que c'est le premier, hein. Ouais, c'est le premier. Premier Deacour, bah GG. GG à toi. Qui c'est qui me parle sur Skype? C'est un robot. Oh, c'est à moi de jouer. Bonjour. Et je saute encore au même endroit. Gros débile. Alors, ce qu'on peut tenter de faire, c'est étouffer la poule. Elle est où? Ok, elle est ici. Vous voyez que là, il fait nuit. Là, ça va gentiment se corser. Oh, ben, il a fait. GG, la poule. Le poulet. Visez le poulet à un mort. On n'est plus que 4. Nice. On s'en fout. Oui, donc je disais, de nuit, ça va être vachement plus compliqué. Fais gaffe à ce que tu fais, mec. Donc la poule est là-bas. Attention de bien l'étouffer à mort. Pauvre poulet. Tu es un pro. Pourquoi il demande ça? Ah, parce qu'il a fait un Deacour. Il a fait un Deacour alors que monsieur croit que c'est un pro. Après, c'est vrai que c'est lui qui a fait ça. Oh, il fait tout au même endroit. C'est pas très bien compliqué! Bonjour. Donc ça, c'est le genre de chose qui est absolument horrible que j'ai parlé tout à l'heure. Il faut vraiment faire super attention. Parce que là encore, ça va, j'avais de l'espace. Et quand vous êtes en fin de game et que ça vous arrive, ben vous mourrez comme une merde, hein. Comme une merde, évidemment. Et on a un peu le seum. Voilà, c'est moi après. Le fameux Arznozné. Mais je suis juste après ce monsieur. Hop. Je suis mon truc. D'accord. D'accord. S'énerve un peu sur Skype, ça devient assez fou. Je répondrai après. Alors, Loros qui est toujours dans cette partie-là. Donc apparemment le pro. C'est cool, c'est un pro en partie, ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps, il y a moyen de poser du bon contenu. Vraiment, le Dakut, c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que j'adore. Je sais pas s'il y a d'autres serveurs qui ont fait, mais voilà, en tout cas. Sur Fantasy World, c'est bien parce qu'en plus vous avez une notion de farm avec les gemmes et les vies. Qui est plutôt cool. Et top 3, donc c'est cool, GG. On va quand même dire GG parce que vraiment le top 4, c'est le plus stressant, je pense. Le top 4 est plus stressant parce que voilà, à 3 vous avez à 3 à la troisième place, putain je galère. Là c'est la fatigue. Et comment c'est tard. Le 5 FPS qui tue. Ouf. Ouf 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 ouf. Parce que moi tout à l'heure avec les freeze. D'ailleurs je l'ai pas mis cette partie. Enfin, je pense que je vais pas la mettre. Parce que c'était assez ignoble. J'ai quand même fini deuxième avec les freeze. C'était assez fun. Donc je disais oui, troisième, vous avez 30 gemmes, donc c'est assez cool. Sans que vous faites 30 fois. 30 fois, 5 fois, troisième, c'est plutôt cool. Je commence à être shooté, les gens, c'est normal. En plus, les médocs, je suis sous médoc qui m'assomme, donc voilà. Sneaky qui est fort, Arzené qui est aussi fort. On va voir comment ça se passe. Je vais peut-être mettre la musique dans ce condensé, je pense que ça pourrait être fun. Je pense que ça pourrait être fun. Après, dites-moi si vous aimez. Si vous voulez plus de vidéos sur le Fantab. Oh! Ouais, ça c'était voulu. Ça, enfin, c'était voulu. C'était normal, j'ai envie de dire. Sérieux? Le pro est mort de façon tellement bête. Il a glissé deux fois d'affilée. D'ailleurs, j'ai pensé à faire un petit bonus. Parce que c'était une game assez épique à l'époque. Je pense pas qu'il a su. Je pense qu'il a pas fait exprès. C'est une game assez épique, mais au final, quand je vois ce que j'ai fait tout à l'heure en vidéo, bon, le premier c'est cool. Ben, je me dis qu'en fait, ça sert peut-être à rien de se faire ce bonus parce que c'était juste une piscine normale qu'on a même pas rempli. Alors, on va retourner au hub, hop, et on va gentiment se quitter. Je suis à combien de gemmes? Il y a un mec qui s'appelle 2h, c'est très rigolo. Alors, je suis à 3070 gemmes, donc j'ai largement pour m'acheter le grade VIP. Re les gens, ben, je vais terminer ma vidéo et puis le serveur est mort. Tellement la poisse. Donc d'ailleurs pour tout ce qui s'est passé avec le serveur, il y a eu énormément de problèmes.
au début, notamment à la sortie serveur, il y avait 2000 slots, je crois. Non, il y en avait 1000. Et c'était bien buggé. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont pété un câble, simplement sur Twitter et tout. Donc, je trouve ça un peu nul quand même, parce que Fanta et Bob sont des personnes très gentilles, qui ont fait un serveur très super sympa. Et les gens ont un peu foutu la merde. Donc, maintenant, ça va mieux. Même s'il y a encore des gens qui critiquent. Mais voilà, c'était pour dire mon retour à ça. Je trouve ça nul que les gens aient réagi comme ça. Parce que je rappelle que le serveur est toujours en bêta. Et qui n'est pas encore en version finale. Et voilà, mais. Dire. Voilà. Il y a eu beaucoup de bans. Fanta a banni beaucoup de monde. Ah, ça y est! Quand même! Quand même, quand même. Le serveur remarche. Du coup, on va se quitter, je sais pas où. Est-ce qu'on pourrait se quitter? Je sais pas trop me quitter. Je vais me mettre là-haut. Bon, on va se mettre là. Et en une bonne render distance, s'il vous plaît. En 16 logiquement ça devrait pas bugger. On va voir. Maintenant que j'ai dit ça, c'est pas censé bugger. Alors, on attend un peu. En tout cas, merci les gens d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si y en a qui auront regardé en entière, dites-moi dans les commentaires. J'espère que vous aurez fait plaisir. Dites-moi si vous en voulez d'autres un peu plus sur le Fanta Overboard. Mais vraiment moi ce que je préfère c'est le Deacoupe qui est là-bas. Donc au final, résultat des courses, on a fait 2 victoires en Deacoupe. Un building games qui s'est passé un peu bizarrement. Apocalypse, bon, je pense que vous l'avez tous vu, donc je l'ai pas fait. Là-bas, ça s'affiche pas génial. Après, on a fait quoi? On a fait un survival games qui était totalement nul à chier. Voilà, faut dire ce qu'il y a. UHC Fun qui était cool. Je fais pas mal de kills, donc qui était assez cool. Et en dernier, il y a eu, je crois que c'est par là-bas. Est-ce que ça va s'afficher ou pas? Le Skywars qui était plutôt. Donc on a tout fait, sauf le Fight Cube et le Bropocalypse. Donc limite je pourrais les faire dans une autre vidéo si vraiment vous voulez les voir. Et s'il y en a qui peuvent tout simplement pas accéder au serveur, donc dites-moi. Mais voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On va se quitter là parce que je commence vraiment à être dead. Vraiment super KO les gens. Vous pouvez pas imaginer comment. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se dit bye bye et merci d'avoir. N'hésitez pas à mettre des likes, ça me fait super plaisir. Surtout qu'il y en a qui boostent les pouces rouges en ce moment. Bon après je m'en fiche un peu, mais y a des rageux ou des jaloux, je sais pas trop, qui boostent les pouces rouges tout simplement. Donc n'hésitez pas à me montrer que vous avez aimé la vidéo en mettant un like. Et si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce rouge. Mais si vous mettez un pouce rouge, les gens, il faut expliquer dans les commentaires pourquoi. Pourquoi? Parce que ça me ferait plaisir tout simplement de voir un peu des commentaires négatifs construits pour que je m'améliore tout simplement. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore, que ce soit au niveau du commentary ou quoi, n'hésitez pas à le dire. Et puis voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je commence vraiment à être bourré limite. Je pense vraiment à être bourré. C'est le terme. Donc je vous dis, bye bye les gens, prenez soin de vous. À très bientôt.